La violence de notre monde fait souvent peur lorsque l'on doit l'affronter, mais le travail d'un cinéaste se résume parfois à un regard profond sur celle-ci afin de mieux nous permettre de la comprendre. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui exprime son ressenti sur la société par le biais des parias qui en font la moelle épinière. David Ayer est un réalisateur d'origine américaine qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 16 ans. Il est notamment connu pour son travail d'auteur autour du monde de la police, considéré par certains comme un précurseur du polar moderne, digne héritier cinématographique de James Ellroy. Et c'est par cela qu'il a réussi à se faire une place au cœur du cinéma en tant que réalisateur, en imposant des œuvres violentes mais extrêmement réalistes sur notre monde. Réaliste, car Ayer a réussi à capter au cœur de son œuvre une manière de regarder l'autre comme quelqu'un de déviant, et même plus, comme un personnage atypique capable de détruire notre société. Souvent, ces héros sont des malades rongés par notre monde, incapables de le cerner, mais prêts à tout pour en profiter le plus possible. C'est ainsi qu'au fil de ses longs métrages, il a cherché à décrire avec le plus de cruauté possible, mais en même temps de réflexion et de réalisme, une humanité en pleine décadence, mais rarement proche de la déchéance. Ces héros sont des cancers pour notre monde, ou en tout cas, ne peuvent en aucun cas aider celui-ci à évoluer et traverser les âges. Mais toujours, ces personnages permettent à l'histoire, avec un petit ou un grand H, de prendre une envergure démesurée, allant du petit flic devant faire face à la gangrène des rues, jusqu'à un pilote de tank cherchant à guider ses soldats en plein enfer. Malgré cela, Ayer est un pessimiste, un homme qui ne peut pas voir de bien dans l'humanité, mais qui y voit surtout une ignorance nous rongeant jusqu'au plus profond de notre être. Si son cinéma peut paraître terrifiant quant à son message, ses personnages le sont encore plus quant à leur regard et leur interprétation de notre monde. Pour autant, il est impossible de ne pas voir une forme de réalisme transcendant cette terreur humaniste au sein même de l'univers que dépeint Ayer, comme une évidence dramatique et cinématographique, constatant simplement le peu de justesse et de cohérence de notre monde. Ainsi, bien au-delà de simplement enfermer son cinéma dans une forme de considération de la décadence humaine, Ayer en fait un portrait tellement ancré dans la réalité que l'on ne peut qu'ensuite la considérer que comme un tableau juste et puissant de notre société moderne et de l'humanité telle que l'on peut la voir aujourd'hui. Ô terreur, quand tu nous tiens, tu nous pétrifies. Telle est la voie qu'a choisi le cinéaste américain pour construire son œuvre et ses personnages au cœur de celle-ci. On ressort des films de Ayer avec la sensation d'avoir vu des héros perdus face au poids de l'histoire ou de notre monde, alors que ceux-ci en sont l'essence même, l'évocation d'une évolution perverse de notre société. L'image animée du cinéma de Ayer devient alors la construction de notre futur, une demande de compréhension du jour présent pour faire en sorte que le jour futur ne devienne pas simplement un souvenir dramatique et triste. Ce n'est d'ailleurs pas si étonnant que Ayer se plonge dans le côté pervers du cinéma de super-héros, profitant ainsi d'une continuité dramatique logique au cœur de son cinéma pour emmener son portrait décadent de l'homme jusque dans ses retranchements culturels, au cœur d'une pop culture à la recherche de ce genre de portrait sombre justement. Plonger dans le cinéma de David Ayer, c'est chercher une solution à la décadence de notre monde par le biais d'un groupe de personnages en plein cœur de celle-ci, cherchant à en profiter et à la faire grandir. Là où la plupart des cinéastes américains dressent un portrait positif de notre monde, Ayer cherche simplement à nous mettre la gueule dans la merde pour y trouver une solution.